Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Le terme enlèvement d'enfant recouvre deux réalités qui se distinguent par le contexte de l'acte. Il peut y avoir des enlèvements par un membre de la famille lors d'un divorce ou d'une séparation, et les enlèvements par une ou des personnes étrangères au cercle familial. Ce type d'enlèvement est motivé par différentes intentions: extorsion pour obtenir une rançon, vol d'un enfant ou adoption illégale, trafic d'enfants, esclavage, travail des enfants, abus sexuels et pédophilie ou meurtre. J'ai travaillé avec Zen, mon contact principal extraterrestre, sur le cas de terriens qu'il récupérait avec sa flotte en stoppant des vaisseaux ennemis qui transportaient plusieurs centaines de terriens enlevés, séparés par hommes, femmes et enfants, et enfermés dans des cages, dans des cargos spatiaux. De très nombreux jeunes gens et jeunes filles, adolescents, enfants, jeunes enfants et bébés, ainsi que des adultes, hommes ou femmes de tous âges, sont enlevés par des extraterrestres et dirigés d'abord vers des bases souterraines, puis vers d'autres planètes, pour alimenter les réseaux de trafic d'humains dans les mêmes buts d'esclavage. Les enlèvements, ou abductions en anglais, par des extraterrestres, peuvent être faits par une faction seule ou une faction accompagnée par des militaires terriens dans des programmes appelés MILABS, Military Mind Control and Alien Abduction, contrôle mental et enlèvement extraterrestre militaire, ayant de multiples objectifs: des programmes secrets pour tester les populations terrestres, pour insérer des implants dans le corps de ces personnes, pour mieux les suivre et les contrôler. Dans les meilleurs des cas, il peut s'agir d'enlèvement d'un ou d'une starseed pour procéder à des contrôles ou synchroniser la personne pour une meilleure communication et l'exécution de missions. J'ai connu le cas d'une jeune femme dont la mère allait avorter. La mère a été enlevée par des extraterrestres de sa famille stellaire avant l'avortement. Le fœtus a été récupéré et réintroduit dans une capsule couveuse et immergé dans un liquide amniotique pour que la personne qui était une extraterrestre en stase, qui devait accomplir une mission sur Terre, puisse être sauvée et grandir sur sa planète d'origine. Ou encore pour le travail dans des vaisseaux en orbite, ou pour une autre planète, pour le sexe ou pour servir de ressources alimentaires, pour les races pour lesquelles la viande humaine n'est qu'une simple source de nourriture, comme l'est le bœuf sur Terre. Je suis Tim de Space News. Nous ouvrons aujourd'hui le quatrième volet de la série sur les enfants terrestres et extraterrestres, et sur le mystérieux cas de la disparition de Bruno de Melo Silva Borges. Ce jeune Brésilien, étudiant en psychologie, habitait à Rio Branco, la capitale de l'État d'Acre, au nord du Brésil. Après que ses parents aient signalé sa disparition, la police force la porte de sa chambre et découvre 14 grands livres manuscrits cryptés, une grande statue en pied du philosophe Giordano Bruno. Les murs ont été construits à l'intérieur
ainsi que des présentoirs qui sont entièrement recouverts d'inscriptions et de symboles étranges. On peut également y apercevoir deux tableaux, l'un d'un moine en robe à capuche et l'autre le représentant en compagnie d'un extraterrestre. La police brésilienne contacte Interpol et pendant les investigations, une large couverture sur l'Internet génère un vif intérêt du public et des milliers d'internautes lancent des enquêtes individuelles en ligne et d'autres essaient de déchiffrer les symboles sur les murs. Il est parti de chez lui avec un sac à dos et un disque dur et a parcouru plus d'un kilomètre à pied. Il a ensuite pris un taxi et le chauffeur a dit qu'il avait parlé avec quelqu'un au téléphone qui lui donnait l'adresse de destination. Comme l'un des 14 livres qu'il a produits, intitulé TAC, T-A-C, Théorie de l'absorption des connaissances, et publié par son père en son absence, des accusations seront émises selon lesquelles l'affaire était un stratagème visant à le promouvoir. La police a déclaré que la disparition était très probablement un stratagème de marketing. À cette époque, pour replacer cet événement dans le contexte de mes contacts extraterrestres, je travaillais avec Zen début 2017, mon principal contact extraterrestre, sur la description des différentes races extraterrestres qu'il côtoyait physiquement tous les jours et qui étaient accueillies ou hébergées sur le cosmoport andromédien Viera, dans lequel il se trouvait lui-même. Donc, le cas de Bruno Borges s'est produit à la fin du mois de mars 2017, alors que je travaillais quotidiennement avec Zen et nous avons parlé de ce cas étonnant. Mais nous avons également commencé à parler des cas d'enlèvement que Zen récupérait lorsqu'il arrêtait des vaisseaux ennemis et qui les sauvait et les faisait monter à bord de son propre vaisseau. Il s'agissait quelquefois de bébés si jeunes qu'ils ne savaient ni parler ni marcher et que Zen, malgré toutes les recherches qui étaient faites, ne pouvait pas ramener chez eux, faute de savoir où, et qui sont adoptés par différentes races extraterrestres, restent à bord et grandissent au milieu d'eux, sur leur vaisseau ou sur d'autres planètes. Le jeune étudiant Bruno Borges, 25 ans, a disparu le 27 mars 2017. Sa disparition ne semble pas volontaire car il n'y a aucun message indiquant qu'il allait partir. Son père avertit la police et les recherches commencent. Il le déclare disparu depuis 14 heures la veille et il déclare que, préoccupé par la disparition de son fils, il a décidé d'entrer dans sa chambre qui était toujours verrouillée à clé. La police suit et elle enregistre ce qu'elle trouve et cette vidéo va fuiter sur l'Internet et être diffusée sur tous les réseaux sociaux. Comme on le voit, l'étudiant a laissé derrière lui une pièce dont les murs sont entièrement couverts de scripts indéchiffrables, de codes et de symboles. Il a disposé sur des présentoirs 14 livres également cryptés et écrits à la main, numérotés avec des chiffres romains de 1 à 14. Cela ressemble à une sorte de sanctuaire au centre duquel se trouve une statue en pied du moine et philosophe Giordano Bruno. Thank you.
En 1584, au XVIe siècle, Giordano Bruno est le premier chercheur à postuler, contre la doctrine de l'Église de l'époque, la pluralité de mondes habités. Dans son ouvrage « De l'infinito universo et mundi », il postule que les étoiles sont des soleils plus petits, car ils sont plus éloignés, et que ceux-ci abritent d'autres créatures à l'image de Dieu. Ainsi donc, les autres mondes sont habités comme l'est le nôtre, demande Burchio. Fracastorio, porte-parole de Bruno, répond: sinon comme l'est le nôtre, et sinon plus noblement, du moins ces mondes n'en sont-ils pas moins habités ni moins nobles, car il est impossible qu'un être rationnel, suffisamment vigilant, puisse imaginer que ces mondes innombrables, aussi magnifiques qu'est le nôtre, ou encore plus magnifiques, soient dépourvus d'habitants semblables et même supérieurs. Adolescent, Bruno Borges aimait lire des livres complexes. Ses proches disent qu'il est très intelligent, au-dessus de la moyenne et doté de douance. Le jeune étudiant pense qu'il est la réincarnation du philosophe Giordano Bruno. Il a le même prénom, Bruno, et son nom de famille fait écho à celui du philosophe argentin Jorge Luis Borges. Bruno Borges sait qu'il est différent et spécial, et qu'il est la réincarnation de Giordano Bruno. Vous conviendrez qu'ils se ressemblent physiquement. Comme lui, Borges croyait au pluralisme cosmique, c'est-à-dire le fait qu'il existe plusieurs mondes et que les nombreuses planètes des différentes galaxies sont habitées de différentes intelligences extraterrestres. Le livre identifié par le nombre romain 1, intitulé « Théorie de l'absorption de la connaissance », sera publié par son père pendant son absence. Pour aider à déchiffrer les codes, Bruno a laissé des clés de déchiffrage dans un endroit visible où ses diplômes seraient normalement conservés. Le premier livre propose une méthodologie capable d'améliorer l'absorption et la création de connaissances. Il propose une série de pratiques et de mécanismes pouvant amener un individu à multiplier ses connaissances. Borges a étudié le comportement des grands hommes de l'histoire, réconciliant des points pratiques et générant un nouveau système d'apprentissage, cherchant toujours à encourager le lecteur à acquérir des connaissances, à croire en son propre potentiel et à sauver ses valeurs profondes intérieures. Parmi les pratiques proposées par Borges figure l'isolement, qui, selon l'auteur, peut améliorer la spiritualisation et les organes sensoriels pour générer des réalisations qui produisent de nouvelles connaissances. Borges a testé son hypothèse en produisant ses 14 livres en peu de temps, et il insiste qu'il est possible de potentialiser le cerveau d'une manière non expliquée par les méthodes d'apprentissage conventionnelles. Selon Borges, le travail est une action qui génère la réaction d'isolement. La passion est une émotion qui génère l'action de créer, et avec la foi, celle-ci génère un état d'esprit capable de transformer l'être humain et d'augmenter son potentiel créatif. À partir du moment où ce livre a été publié, des théories ont commencé à apparaître de ce qui aurait pu arriver au jeune homme et pourquoi il avait créé ce sanctuaire. La police pensait qu'il s'agissait d'une stratégie de marketing pour faire vendre ses livres, et les médias sensationnalistes qu'il s'agirait
d'une stratégie élaborée de marketing. Selon Borges lui-même, il ne souhaitait qu'étendre la connaissance de ses semblables, ce qui de toute évidence a très bien réussi, car le premier jour de parution du livre, il est passé à la première place des ventes avec 15 000 exemplaires vendus en un seul jour. Il reviendra de lui-même chez ses parents 4 mois après, le 14 août à 5h22, hirsute, amaigri et pieds nus. Il sonne à la porte de chez ses parents, mais personne ne l'entend. Il attend pendant 1 heure jusqu'à ce que l'un de ses voisins le repère et téléphone au père qui lui ouvre la porte. Mais plusieurs années après cet événement, je pense qu'il est préférable de laisser la parole à ce jeune homme qui s'explique sur son site. Voici ce qu'il dit et qui fait référence au processus de l'illumination qu'il a traversé et la manière dont il l'a géré ainsi que la suite qu'il lui a donnée. Écrivain, penseur, mystique, autodidacte, je suis né en 1992 au Brésil. À l'âge de 20 ans, j'ai vécu une expérience mystique qui a complètement changé ma vie, dans laquelle j'ai reçu une mission. Au cours des 5 années suivantes, j'ai cherché la vérité de la vie dans les livres, dans tous les domaines de la connaissance, et j'ai traversé des expériences alchimiques à la recherche de l'illumination. J'ai développé mes connaissances dans différents domaines, comme la créativité, l'épistémologie, la cosmogonie, le comportement humain et l'anthropologie. Et c'est celle-ci, l'anthropologie, étant liée aux expériences spirituelles que j'ai traversées, qui m'a ensuite poussée à écrire des ouvrages sur différents thèmes comme la philosophie politique, la métaphysique, ainsi que des romans. Je suis diplômée en psychologie et j'ai créé des méthodologies pour développer la créativité et induire des états d'illumination ou de réalisation temporaire menant à l'étape finale. J'ai disparu pour m'isoler du monde dans une retraite spirituelle. Après mon retour, j'ai refusé des centaines de propositions pour des interviews télévisées et sur les réseaux sociaux. J'ai également refusé de participer à la publicité de marques célèbres pour souligner le fait que ce que je recherchais n'était pas de l'argent ni la célébrité, mais de partager mes connaissances. J'ai créé ce site web pour diffuser mon travail et mes livres librement. Les médias sensationnalistes, qui perdent de plus en plus de crédibilité en rapportant des histoires offensantes, sont à la recherche d'un large public et m'ont accusé faussement en faisant passer l'idée que j'avais conçu tout un programme pour devenir riche et célèbre. Mais j'ai montré que les gains avec mon projet étaient minimes et ne compensaient même pas l'argent que j'avais investi pour le créer. Je crée de l'art dans le but d'éveiller les gens, et je pense que malheureusement, la grande majorité des artistes produisent du contenu qui, au lieu d'éveiller le public, le rend encore plus dépendant. En en parlant avec Zen, ce dernier n'a pas fait de commentaire, car entre personnes qui évoluent en 5e densité, nous ne parlons jamais des autres. C'est une marque de respect. Vous pouvez vous faire une idée vous-même en consultant son site, notamment toutes les photos de sa chambre et du projet Enzo, E-N-Z-O, à l'adresse web indiquée. Medzen m'a néanmoins dit que les deux Bruno, Giordano Bruno et Bruno Borges, étaient tous les deux des émissaires stellaires de la race des étortants, et que ce que ce jeune homme essayait de faire est de faire passer des connaissances de haut niveau dont la source est une source étortale.
Je vous retrouve très bientôt pour le volet 5 de cette série consacrée aux enfants terrestres et extraterrestres pour vous présenter les enfants des races extraterrestres que je connais et avec lesquels j'ai eu des contacts directs. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.